Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau micro qui n'est pas ce minuscule petit micro, mais bien le UMA de chez Burn. Je vous montre tout de suite ce qu'il en est. Voici le son produit par ce petit bijou, je vous le présente tout de suite. Et voici comment se présente le carton, mais le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Dans le carton fourni avec le micro, nous avons une araignée, un adaptateur pour visser éventuellement sur une prise plus large ou plus serrée, un câble pour le brancher en USB tout simplement au micro, et une trousse pour ranger ce micro en cas de transport. L'araignée nous sert à stabiliser le micro, il faut la fixer sur un pied ou sur un bras articulé. Je vous conseille de prendre un bras articulé si vous êtes streamer comme moi et que vous avez de la place. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de pied ni de bras, donc c'est à prévoir à l'achat. Pour ma part, j'ai acheté un bras de chez Neewer. J'ai aussi investi dans une bonnette. On m'a conseillé de prendre une bonnette plutôt qu'un filtre anti-pop, tout simplement parce que c'est plus petit et donc ça gêne moins pour streamer. Mais une bonnette, à la base, c'est conseillé pour l'extérieur. Mais elle fait très bien le taf à l'intérieur. Ce micro est pour moi le meilleur que j'ai pu utiliser, tout simplement parce que mon ancien était un micro-casque que vous avez entendu en début de vidéo. On entend clairement la différence de qualité. Tout cela pour un budget assez mince. J'ai eu moi-même ce micro à 50€, plus la bonnette et le bras à 20€ supplémentaires. Ce micro Burn reste le meilleur niveau qualité-prix. Il est facile à utiliser et avec un branchement USB, il n'y a pas besoin de carte son contrairement au micro XLR. Le seul point à régler, c'est le seuil d'enregistrement qui se trouve dans les paramètres de son Windows. Ce micro est donc très pratique pour moi qui suis un amateur streamer. Il est sans doute compatible avec d'autres logiciels, mais le micro tel qu'il est vraiment de très bonne qualité. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!